aussi pour votre invitation à vous présenter aujourd'hui les travaux du Haut Conseil pour le climat et à échanger avec vous autour de ces travaux. Donc, je vais pas reprendre ici les fondamentaux sur le changement climatique que la plupart d'entre vous connaissent certainement aussi bien que moi et bien mieux même. Et je vais plutôt nous plonger directement dans la politique climatique nationale française que j'imagine vous suivez également de très près. Ces 15 dernières années, dirons-nous, ont été assez actives en termes de textes et d'objectifs de politique climatique nationale. Alors, si on reprend en 2004 avec... Oui ? Avec le plan climat qui donnait pour objectif de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre en 2010 à leur niveau de 1990, et proposait une stratégie de recherche pour regarder l'objectif du facteur 4, de diviser par 4 les émissions d'ici 2050. Ensuite, en 2009, la loi Grenelle 1, puis suivie de la loi Grenelle 2 l'année suivante, qui introduisent ce facteur 4, hein, cette division, cet objectif de division par 4 des émissions territoriales françaises à l'horizon 2050. Et l'objectif à l'horizon 2020 de soutenir l'objectif de réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe à l'horizon 2020. Ensuite, en 2015, la loi relative à la transition pour la croissance verte qui donc entérine aussi l'objectif du facteur 4. Et pour l'horizon 2030, de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français de 40% par rapport à 1990. C'est cette loi aussi qui introduit la stratégie nationale bas carbone comme feuille de route vers l'objectif de long terme. Et puis, bien sûr, 2015 a été, au niveau international et français, une année importante pour le climat avec l'accord de Paris sur le changement climatique que vous connaissez. Finalement, dans le cadre de cet accord, la France a revu son objectif de long terme en 2017 avec le plan climat pour s'aligner avec l'accord de Paris et l'objectif de long terme est donc de viser la neutralité carbone en 2050, ce qui a nécessité une révision de la stratégie nationale bas carbone à ce moment-là. Et ensuite, très récemment, hein, la loi énergie-climat de 2019 qui entérine l'objectif de neutralité carbone en 2050 avec une division par au moins 6 des émissions territoriales positives. Et c'est aussi cette loi qui crée officiellement le Haut Conseil pour le climat. Et l'an dernier, nous avons eu la deuxième version de la stratégie nationale bas carbone. Voici donc la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone dans sa deuxième version, qui date de l'année dernière. Vous y voyez l'objectif de 2050 de neutralité carbone des émissions territoriales de la France. Donc, ça veut dire zéro émission nette pour tous les gaz à effet de serre, pas seulement le CO2. Hein. Les absorptions de CO2 par les puits sur le territoire français en 2050 contrebalancent les émissions résiduelles de CO2, mais aussi de méthane, de protoxyde d'azote et de gaz fluoré. Ça, c'est la vision à long terme, enfin à relativement court terme. Hein, 2050, c'est dans 30 ans. À vraiment court terme, la stratégie définit ce qu'elle appelle des budgets carbone, c'est-à-dire les marches le long de la trajectoire sur des périodes de 5 ans. Venons-en donc au Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant qui a été mis en place fin 2018, mais créé officiellement en 2019. Il est présidé par Corinne Le Quéré et il est composé de 12 membres en plus de Corinne, experts dans
les domaines de la science du climat, de l'économie, de la sociologie, de la géographie, de l'agronomie ou de la transition énergétique. Et par ailleurs, 6 personnes constituent l'équipe permanente du Haut Conseil. Donc, le Haut Conseil pour le climat a vocation d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat et ses impacts socio-économiques et environnementaux. Il est chargé d'émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux et en particulier l'accord de Paris, et donc l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Plus précisément, tous les 5 ans, le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas carbone et les budgets carbone qu'elle définit. Et tous les ans, on rend un avis sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures de l'État et des collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone de la France et à partir de cette année aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et nos avis portent également sur les impacts socio-économiques et environnementaux de ces différentes politiques publiques. Donc, les rapports sont remis au Premier ministre, qui les transmet au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Les suites données par le gouvernement sont présentées au Parlement et au CESE dans un délai de 6 mois à compter de la remise de notre rapport annuel. Et en plus des rapports annuels, on peut être saisi par le gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou à notre propre initiative, donc auto-saisie, sur des questions spécifiques qui nécessiteraient un avis. Donc, vous l'aurez compris, hein, notre mode d'action, ce sont nos rapports. En 2 ans, nous avons publié 12 rapports. Ils sont tous publics et vous pouvez les trouver sur le site du Haut Conseil, dont le lien est donné en haut de ma diapositive. Nous avons publié 2 rapports annuels en 2019 et en 2020, ainsi que leurs déclinaisons pour différents publics. Le rapport complet, avec l'ensemble des éléments d'analyse, mais aussi un résumé exécutif court et des recommandations qui sont résumé en 2 ou 3 pages, et puis une version grand public en une dizaine, une quinzaine de pages pour contribuer à partager le plus largement possible les éléments factuels et les éléments d'analyse de nos rapports. Et puis, on fait aussi une traduction en anglais pour pouvoir donner un retentissement au-delà du lectorat français à nos travaux et échanger avec des institutions similaires dans d'autres pays. En 2020, nous avons aussi publié 3 rapports en réponse à des saisines du gouvernement. Un sur le processus d'évaluation des lois au regard du climat. Et celui-là faisait suite à une de nos recommandations dans notre premier rapport annuel de 2019. Un rapport sur l'empreinte carbone de la France, sa mesure et sa maîtrise. Et un rapport de comparaison internationale pour éclairer les politiques publiques de rénovation des bâtiments. On a également publié 3 rapports qui correspondent à des autosaisines, un sur le contexte de la pandémie, un sur le plan de relance et un tout récemment sur le projet de loi climat actuellement en discussion. Et enfin, nous avons publié un rapport en réponse à une saisine du Sénat sur la 5G. Pour chaque rapport, la démarche, l'approche est la même. Nous partons des observations, des données, des indicateurs, des analyses, des études de cas rigoureuses, transparentes, fondées sur l'état des connaissances le plus à jour possible.
et nous débouchons sur des recommandations. Donc, contrairement au GIEC, hein, qui ne fait pas de recommandations, ici, notre raison d'être est bien de faire des recommandations, sans pour autant nous substituer au débat public, ni à ceux qui font les politiques. Et donc, avec un petit peu de recul, finalement, s'il y avait qu'une recommandation de haut niveau, hein, c'est un point qui un peu de haut niveau qui revient dans chacun de nos rapports, c'est la recommandation principale de piloter de fermement et de manière centrale la stratégie bas carbone, d'en développer les différents aspects avec les acteurs concernés par filière, par ministère, par région, pour donner un cap clair à l'ensemble de la société, avec des évaluations et un suivi continu pour que les actions soient efficaces et permettent d'accélérer la baisse des émissions de la France et de jouer pleinement notre rôle de leader international dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est pour finalement la recommandation de haut niveau, mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de rentrer plus en détail dans trois des rapports. Donc, pour vous donner à voir plus en détail nos travaux, je vais prendre trois exemples. Le rapport annuel de 2020, le rapport sur l'empreinte carbone de la France et le rapport sur le plan de relance, que je vais détailler un petit peu. Tout d'abord, le rapport annuel de l'an dernier, donc notre second rapport annuel qui a été publié en juillet dernier. Il reprend une observation déjà faite dans le premier rapport, à savoir que la France est en retard sur ses objectifs climatiques. Avant la crise du Covid, les émissions de gaz à effet de serre territorial de la France diminuaient en moyenne de 1% par an environ, seulement. Cette baisse des émissions est trop faible par rapport à la trajectoire de neutralité carbone établie par la stratégie nationale bas carbone dans la loi énergie-climat. Le premier budget carbone, la première marche sur la trajectoire de la SNBC, de la stratégie nationale bas carbone, a été dépassé de 61 millions de tonnes équivalent CO2 cumulé sur la période 2015-2018, et pour atteindre cette marche, une diminution non pas de 1% par an, mais de 2% par an en moyenne, aurait été nécessaire. Si on regarde par secteur, les émissions des quatre grands secteurs émetteurs ont toutes dépassé leurs objectifs sur la période du premier budget carbone. On parle ici du secteur des transports, qui représente 31% des émissions de gaz à effet de serre territoriales et qui n'ont pas diminué depuis à peu près 10 ans. On parle du secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture, qui chacun représente à peu près 18% des émissions territoriales et dont les émissions diminuent trop lentement par rapport à l'objectif. Face à ce constat, nous avons identifié un manque de pilotage de la stratégie bas carbone par le gouvernement et fait un certain nombre de recommandations, en particulier le besoin d'évaluer les mesures mises en place et d'en faire un suivi. Avec la crise du Covid, nous avons vu une baisse en émissions importante pour 2020. Les dernières données ne sont pas disponibles, mais les estimations donnent des choses de l'ordre de 10% de réduction en 2020 par rapport à 2019. Mais cette baisse, c'est une baisse qui est conjoncturelle. En fait, elle ne correspond pas aux changements structurels dont nous avons besoin. Si vous voulez, nous avons toujours les mêmes routes, les mêmes véhicules, les mêmes bâtiments, les mêmes systèmes de chauffage, les mêmes industries. Et donc, la trajectoire des émissions ne change pas en soi et les émissions vont remonter aussitôt la période de crise et les confinements relâchés. À l'inverse, les mesures mises en place pour relancer l'économie en sortie de crise ont structuré l'économie et ces mesures pourraient permettre de rattraper le retard pris par la France sur ses objectifs climatiques. Mais il amène en même temps un risque de verrouiller la France dans des activités fortement émettrices selon les mesures mises en place.
Et donc, notre rapport annuel a identifié que, qu'en réalité, beaucoup d'investissements nécessaires pour répondre à l'urgence en termes d'indécision du plan de relance notamment. Nous avons passé en revue des grands types de mesures par secteur. Donc ici, vous voyez le secteur du bâtiment et identifié qualitativement leurs effets directs sur cinq grandes dimensions importantes pour la reprise, la rapidité à laquelle les mesures peuvent être déployées, leur capacité à réduire les émissions, l'effet de verrouillage ou d'entraînement des investissements favorables à la stratégie nationale bas carbone, la création d'emplois et l'éco-bénéfice en matière de santé, de réduction des vulnérabilités et des inégalités. Nous donnons également une dimension d'un peu plus long terme aux mesures, car c'est l'inscription dans le long terme de la stratégie qui importe pour la décennie qui débute et qui sera cruciale pour les transformations compatibles avec la neutralité carbone. Donc finalement, si une seule recommandation devait être conservée de notre rapport annuel, ce serait celle du plan de reprise, tout soutien au secteur carboné qui n'engagerait pas leur transformation, et de l'orienter le plus possible sur des mesures efficaces pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, ne pas nuire, ensuite construire pour la transition bas carbone. C'est un impératif nécessaire, car l'urgence climatique et ses impacts se renforcent. Possible, les solutions sont connues et accessibles, utiles, car elles portent de nombreux co-bénéfices pour l'emploi et pour la santé, et inéluctables, car l'anticiper sera source de compétitivité. Nous verrons que cette recommandation a été en partie seulement suivie. Et je voulais vous montrer aussi un extrait de la version grand public du rapport, et également réalisé chaque année pour diffuser plus largement nos travaux. Donc, celle de cette année condense en 16 pages les éléments clés. Ici, par exemple, vous voyez les deux premières pages qui détaillent les émissions territoriales par secteur et leurs évolutions. Et finit l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions territoriales, auxquelles on retire celles ayant servi à produire des biens qui sont exportés et auxquelles on ajoute les émissions ayant lieu sur d'autres territoires pour produire des biens importés en France. Cette empreinte carbone est justement l'objet d'un rapport dédié qui a aussi été publié en 2020, et ce qui me fait donc une transition vers le second exemple que j'ai choisi de vous présenter. Donc ce rapport spécial, il répond à une saisine du gouvernement sur la mesure et la maîtrise de l'empreinte carbone de la France, qui a été donc publiée en octobre dernier. La population était d'environ 11,5 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an en 2018. C'est 70% plus élevé que les émissions territoriales couvertes par les engagements climatiques actuels de la France. Or, la contribution de la France aux émissions de gaz à effet de serre mondial ne se limite pas à ces émissions territoriales, mais inclut aussi les émissions liées à ces échanges internationaux, émissions importées, émissions exportées, émissions des transports internationaux. Les émissions importées et les émissions des transports internationaux étant exclus du périmètre des engagements climatiques de la France. Pourtant, toutes ces émissions doivent baisser pour répondre au changement climatique. La partie domestique est clairement de la responsabilité de la France. La partie importée est une responsabilité partagée entre la France et les pays partenaires. L'empreinte carbone de la France, si on la regarde dans le temps, elle stagne ou diminue très faiblement depuis 15 ans. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'empreinte carbone est importée et c'est cette partie importée qui a augmenté ces dernières années. Le principal facteur de l'augmentation des émissions importées est l'augmentation du volume de la consommation domestique,
en jaune ici, les changements dans la structure du commerce international, donc typiquement le déplacement de la production vers l'Asie, participent aussi à l'augmentation, mais dans une plus faible proportion. Alors ici, sur cette décomposition, ces changements de structure du commerce international, vous les retrouvez dans les parties en bleu, gris, bleu foncé et bordeaux. La part importée de l'empreinte carbone provient principalement d'Asie, la Chine en tête avec un peu plus de 15% des émissions importées, et aussi de l'Union européenne avec l'Allemagne en tête qui représente à peu près 7% des émissions importées. Tous les secteurs sont concernés. Ceux qui ont la plus grande part d'émissions importées sont l'industrie textile et les équipements électroniques. Mais en volume d'émissions importées, l'industrie agroalimentaire, les travaux de construction, le raffinage et les produits chimiques comptent également beaucoup. Maintenant, si on regarde une décomposition un petit peu différente par rapport à ce que je viens de vous montrer, en fait, si on regarde l'origine de l'empreinte carbone en se référant non plus au lieu des émissions, mais au lieu de la dernière transformation. On observe une image qui est un petit peu différente. Plus des trois quarts des émissions importées sont liées aux décisions des entreprises et des ménages sur le territoire français. Donc ça ouvre une perspective un petit peu différente sur la maîtrise de l'empreinte carbone et de sa part importée. Et ça conduit à identifier des leviers pour réduire les émissions importées. Afin de maîtriser l'empreinte, la France est industrielle pour aider les entreprises à mieux tenir compte des émissions importées, et c'est le levier le plus important. Par exemple, au sein de la loi PACTE, des stratégies par filière en développant un score carbone pour les produits pourraient créer un effet d'entraînement. Le score carbone permettrait aussi de mieux informer l'offre aux ménages, deuxième levier d'action. On a vu qu'une partie importante venait de l'Union européenne et donc travailler aussi à cette échelle-là est important. Et encadrer les échanges commerciaux internationaux pour la réduction des émissions importées et continuer d'orienter la coopération internationale de la France vers le renforcement des engagements climatiques dans les autres pays. Sont également des leviers. La loi énergie-climat prévoit un intérêt pour l'empreinte carbone des nationales bas carbone. Donc, le rapport conduit à une recommandation sur ce que pourrait être ce plafond indicatif. Et finalement, si on se donne un objectif de réduction des émissions importées qui soit compatible avec ce que doit être la moyenne des émissions mondiales à l'horizon 2050 pour être compatible avec les objectifs de long terme de l'accord de Paris, ce serait quelque chose de l'ordre d'une réduction de 65%. D'ici 2050. Et donc, si on combine avec les objectifs pour les émissions de la production intérieure, ça donne un objectif de réduction de 80% de l'empreinte carbone en 2050 par rapport à 2005 pour leur donner un niveau comparable à l'objectif de neutralité carbone pour les émissions territoriales. J'arrive à mon dernier exemple, celui de l'avis sur le plan de relance. Donc c'est un avis dont nous sommes auto-saisis et nous avons publié l'avis en décembre dernier. Pour notre avis sur le plan de relance, nous avons développé une cotation des mesures du plan de relance qu'on va qualifier
de favorable, de en continuité, de défavorable ou d'ambigu par rapport à la stratégie nationale bas carbone. On va qualifier une mesure de favorable si elle rapproche la France de la trajectoire bas carbone, c'est-à-dire si elle réduit les émissions par rapport à une continuité de la trajectoire actuelle avec les mesures existantes. Notez qu'on ne peut pas complètement quantifier si une mesure favorable est véritablement alignée avec la trajectoire de la SNBC. On peut simplement dire si on s'en rapproche par rapport à une trajectoire de continuité. Justement, on va qualifier d'une mesure de continuité si elle poursuit la trajectoire actuelle, et en ce sens, des mesures qui s'inscrivent dans la continuité nous éloignent de la trajectoire bas carbone. On va qualifier une mesure de défavorable si elle augmente les émissions par rapport à une continuité, et pour certaines mesures, on les qualifie d'ambiguës quand elles ont un effet qui est controversé ou qui peut aller finalement dans les deux sens sur deux aspects différents. Donc, dans nos résultats, et donc qu'on compare à la cotation qui a été réalisée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances, nos résultats indiquent un budget total favorable à l'atténuation proche de la cotation réalisée dans le cadre du projet de loi de finances. Les mesures que nous avons qualifiées de favorables représentent un budget de 27,7 milliards d'euros contre 30,6 selon le projet de loi de finances. Donc, il y a quelques différences sur le contenu, mais il me semble que la plus grande différence à noter, c'est justement la qualification des deux tiers du plan qui, selon notre cotation, est de continuité et donc nous éloigne de la trajectoire de la SNBC. Et c'est ces éléments-là qui sont finalement préoccupants. Si maintenant on regarde les financements jugés favorables à l'atténuation, la moitié de ces financements-là porte sur la décarbonation des transports et des bâtiments. Par contre, l'agriculture et les forêts sont très peu concernées et insuffisamment au regard des enjeux dans ces secteurs. Le plan de relance dans ses mesures qui visent le climat met principalement l'accent sur l'activité économique. Il contribue aussi à l'inclusivité de notre société à travers le renforcement des infrastructures et des services publics en eau, énergie et transport. En revanche, les mesures favorables à la transition climatique du plan de relance sont moins mises à profit que les mesures non favorables pour réduire les inégalités de revenus. Donc, finalement, il y a un risque d'effet régressif sur la distribution des revenus de certaines mesures favorables à l'atténuation. Donc, ces mesures peuvent être efficaces d'un point de vue climatique. Pour autant, elles doivent être compensées par ailleurs pour que la transition n'accroisse pas les inégalités et les tensions sociales. Ces dernières peuvent, en effet, nous l'avons vu, compliquer le déploiement et la conduite d'une transition qui serait perçue comme injuste. Donc dans la vie, nous développons cinq grandes recommandations. Celle de renforcer la compatibilité de l'ensemble du plan de relance avec l'objectif de neutralité carbone, notamment en conciliant mieux les enjeux de maîtrise de la demande avec la création d'emplois, puisque l'efficacité énergétique, mais aussi la sobriété, sont identifiées par la stratégie nationale bas carbone comme deux leviers principaux pour décarboner la France. Dans cette recommandation aussi, il s'agit de renforcer la cohérence des politiques de relance, en particulier dans le secteur des transports, premier émetteur national de gaz à effet de serre. Les mesures contradictoires qui ont été prises alimentent la confusion et le verrouillage durable sur des solutions trop carbonées. Deuxième recommandation, de maximiser les bénéfices du plan de relance pour la transition bas carbone.
notamment en sanctuarisant et augmentant les niveaux de dépenses favorables à l'atténuation, qui demeurent inférieurs aux besoins qui ont été évalués. Les mesures de transformation et de financement doivent également être inscrites dans une perspective décennale, de long terme, pour donner un cadre clair aux acteurs et aux investisseurs, et en rehaussant les aides aux secteurs à fort enjeu pour l'atténuation et l'adaptation, qui sont actuellement peu soutenus par le plan de relance, en particulier, comme je le disais, l'agriculture et la forêt. Par ailleurs, de mieux anticiper les enjeux de la transition juste, de suivre et évaluer la mise en œuvre et d'améliorer les méthodologies d'évaluation au regard du climat. Donc, à travers ces trois exemples, j'ai cherché à vous donner à voir notre démarche, notre approche, qui part des observations, des données, des indicateurs, des analyses fondées sur l'état des connaissances et qui débouche sur des recommandations. Donc, ce travail implique l'ensemble des membres et puis, bien sûr, également et surtout, je devrais dire, l'équipe de permanents du Haut Conseil pour le climat. Nous nous appuyons aussi largement sur des connaissances qui sont développées ailleurs, peut-être sûrement d'ailleurs sur des travaux de certains d'entre vous. Il me semble que c'est un des points centraux pour les travaux du Haut Conseil pour le climat, qu'ils soient rigoureux et appuyés sur l'état des connaissances le plus à jour possible. Donc peut-être pour finir sur nos actualités et quelques perspectives. Donc, nous sommes en train de préparer notre rapport annuel 2021 qui doit sortir juste avant, enfin au tout début de l'été. Donc bien sûr, c'est un rapport qui reste dans le contexte de la pandémie, de la crise et de la crise sanitaire, économique et de la relance. Il y a aussi le contexte de l'ambition relevée de l'Europe qui interroge la trajectoire française. C'est un rapport dans lequel, au-delà du suivi des émissions, qui justement du fait de la pandémie sont moins indicatives, on va chercher à suivre les changements structurels eux-mêmes et puis à suivre aussi les recommandations qu'on a pu faire ces deux dernières années et les réponses qui ont été apportées ou non. On va continuer à suivre les enjeux transversaux de la transition juste et des différentes dimensions que recouvre cette transition juste. Et puis, c'est aussi la première année où nous abordons pleinement la question de l'adaptation. Donc voilà une autre grosse partie de politique publique sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc voilà pour un bref aperçu de nos travaux et je serais maintenant ravie d'essayer de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Merci beaucoup Céline. Donc je vais passer la parole donc à Dominique et Nicole pour les questions, si vous pouvez les transmettre. Merci à tous les deux. Oui, alors peut-être Nicole, si tu peux toi aussi, pendant que je résume quelques questions, là pour commencer, regardez aussi s'il y a des gens qui demandent la parole pour poser des questions en direct à Céline. Alors peut-être pour commencer, surtout plutôt un commentaire, parce que je pense qu'il est important pour tout le monde, qui a été mis dans le fil de discussion par Viviane Despouès et puis très fortement soutenu par Sylvestre Huette, qui indique que la version grand public du rapport est vraiment très, très pédagogique et agréable à lire et qui indique que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Donc, un conseil vraiment à ne pas hésiter à le faire connaître et à le distribuer. Alors, sur les questions, il y en a un certain nombre qui ont été posées au début et qui ont en fait trouvé des réponses d'ailleurs dans la... Il y a eu une question, par exemple, de Marc Payen sur les émissions territoriales, mais tu y as répondu très clairement après. Il y avait aussi des questions, mais qui ont peut-être qui pourraient justifier que tu y répondes là.
quels sont les gains à attendre plus précisément du passage au véhicule électrique? Alors évidemment, j'imagine que la réponse sera sans doute que ça dépend de l'origine de l'électricité. Donc, il y a eu cette question-là. Et aussi une question sur les liens donc dans les propositions entre le climat et la pollution de l'air, donc posée par Arif, mais qui pourra peut-être la préciser, parce qu'il y avait en fait une question assez longue. Oui, bonjour à tous. Alors juste pour préciser peut-être la question sur la pollution d'air, déjà c'est un plaisir pour nous de rejoindre Météo et Climat de cette année. Je suis interpellée, en fait, votre rapport est excellent et on est en contact aussi avec vous pour vous apporter notamment les données d'émissions, pollution de l'air et gaz à effet de serre d'un point de vue territorial. Et c'est vrai que quand je vois votre présentation, je suis interpellée sur les liens pollution de l'air et climat sont clairs, et notamment par rapport aux sources, mais aussi par rapport aux activités, sur la question des nouvelles technologies qui, des fois, sont des bonnes solutions pour l'un, mais qui posent des soucis pour d'autres. La question de l'hydrogène, par exemple, pose la question des particules ultra-fines. Aussi sur les difficultés d'avoir autour de la table, pour le climat comme pour l'air, certaines activités, notamment l'agriculture. Et du coup, il me semble vraiment intéressant de mettre l'accent sur les synergies entre pollution de l'air et climat pour avoir éco-bénéfices et pour accélérer cette amélioration de la qualité de l'air et du climat, avec pour le coup, côté pollution de l'air, deux contentieux avec la Commission européenne, un contentieux avec le Conseil d'État, des recours juridiques, etc., qui dénotent vraiment une prise de conscience de la population par rapport à ce sujet-là et qui peut permettre peut-être de trouver des leviers pour accélérer les solutions et accélérer des changements de comportement par rapport au changement climatique. Et notre crainte, c'est vraiment de miser sur certaines technologies, comme on l'a vu sur le diesel il y a quelques années, ou sur le chauffage au bois, qui, pour le coup, sont mises en avant pour des enjeux climatiques, mais qui sont vraiment désastreux d'un point de vue pollution atmosphérique. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par réagir aux commentaires sur la version grand public. Merci beaucoup. C'est utile pour nous d'avoir des retours et de savoir comment nos publications sont utiles, comment est-ce qu'elles peuvent être plus utiles, comment est-ce qu'elles sont utilisées ou pas. Donc, merci pour ce retour. Et s'il y a des choses qui manquaient, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi ou d'autres du Haut Conseil pour le climat pour nous suggérer des choses. Ensuite, sur la question sur le véhicule électrique. Je pense que c'est important de rappeler, hein, je disais, le secteur des transports, c'est 31% des émissions territoriales, c'est le premier secteur, c'est le seul où les émissions aujourd'hui sont à un niveau supérieur à leur niveau de 1990 et où les émissions continuent d'augmenter un petit peu ou de stagner pour plusieurs. Et dans ces 31%, en fait, il y en a la moitié, c'est les émissions des véhicules particuliers, donc des voitures. Les émissions continuent à augmenter ou stagnent parce que les distances parcourues continuent à augmenter et parce que les gains d'efficacité faits sur les moteurs des véhicules sont complètement gommés par l'alourdissement des véhicules. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'apporte l'électrification des véhicules? Il y a plusieurs choses. Il y a un lien avec l'empreinte carbone. Donc, sur un véhicule électrique, il faut regarder les choses sur le cycle de vie. Hein. Les émissions, elles proviennent surtout. Alors, pour une utilisation dans un pays comme la France, où l'électricité est largement décarbonée, les émissions proviennent surtout de la fabrication et de la fabrication de la batterie, qui utilise beaucoup d'électricité. Donc, en fait, sur le cycle de vie, les émissions vont beaucoup dépendre de où et fabriquer la batterie. C'est aussi des enjeux de politique industrielle, finalement, hein, et donc des enjeux de maîtrise de l'empreinte carbone.
Néanmoins, en cycle de vie, un véhicule électrique est à même de réduire les émissions par rapport à un véhicule thermique. Pour autant, il ne faudrait pas tout miser sur ce seul levier et sur le secteur des transports. C'est bien l'ensemble des leviers qu'il s'agit de mobiliser depuis la maîtrise, la réduction des distances, les reports modaux et ensuite l'efficacité énergétique et le changement de vecteur énergétique. Donc voilà sur le véhicule électrique. Ensuite, pour réagir sur votre remarque, question sur les liens entre climat et pollution d'air, je vous rejoins complètement de ce lien-là. Y a d'autres sujets où il y a des liens importants à regarder aussi, par exemple sur la biodiversité, hein, et où il y a aussi parfois des solutions qui créent justement des problèmes ailleurs. Mais si on revient sur la pollution de l'air, et effectivement sur des co-bénéfices extrêmement importants sur la santé, je pense qu'on a là des raisons d'action et des leviers d'action supplémentaires et de mobilisation, d'autant plus que les échelles spatiales et de temps sont plus directes sur la pollution de l'air, et ça permet donc de mobiliser les acteurs plus facilement, et on voit cette prise de conscience. Donc je pense que travailler sur l'éco-bénéfice, les synergies, sur les questions pollution de l'air, santé, et il y en a d'autres, hein, par exemple la mobilité active, on a des synergies fortes avec des questions de santé et de sédentarité, en fait. Et donc, c'est sûr, à ces endroits-là, que les mobilisations peuvent être importantes. Alors, peut-être pour continuer un petit peu sur les questions posées, je vais en prendre deux là pour tout de suite, puis on ira, on viendra après avec d'autres. Il y a une question, enfin, presque plus une proposition à nouveau de Sylvestre Huette. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, l'idée d'inclure, enfin, ou de proposer l'idée d'inclure les émissions importées dans les critères de choix des marchés publics? Avec d'ailleurs un commentaire qui a été fait immédiatement derrière, disant que ça risque de nécessiter une modification du traité de Lisbonne. Et puis peut-être une autre question qui serait intéressante à regarder aussi, une question de Michel Papalardo. Est-ce que vous faites un peu systématiquement des comparaisons avec les résultats des pays voisins? Alors, une première chose sur le critère émissions importées sur les marchés publics, on n'a pas fait de recommandations en ce sens-là. Je pense qu'on a dû faire des recommandations sur l'exemplarité de l'État en matière d'émissions, mais finalement, des critères d'émissions tout court sur les marchés publics, ce serait déjà une première voie. Donc, je note de creuser éventuellement cette question-là. Ensuite, sur les comparaisons internationales, il y a un rapport très spécifique qui était un rapport de comparaison internationale sur les politiques publiques dans le secteur de la rénovation des bâtiments. Donc là, c'était vraiment l'objet d'aller regarder à la fois les émissions des secteurs des bâtiments et leur déterminant et les politiques publiques mises en œuvre ces dernières décennies dans d'autres pays. Donc, on avait pris la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Là, le rapport était très, très spécifiquement axé là-dessus.
Ensuite, selon les sujets, selon les rapports, on va parfois faire des comparaisons internationales, donc sur les niveaux d'émissions par secteur, sur parfois les engagements, quand on nous a demandé de donner un avis sur la stratégie nationale bas carbone et l'objectif de neutralité carbone, on a aussi comparé avec les engagements pris par d'autres pays. Et puis, on échange aussi parce que Corinne Le Quéré est elle-même membre d'une institution similaire et qui a une bien plus grande ancienneté au Royaume-Uni. Donc, on échange aussi avec nos homologues voilà. Pour les comparaisons internationales. Donc, ça dépend un petit peu des sujets. Quand on a le temps et que ça s'y prête, enfin que ça a un sens, on essaye de le faire. Alors, on peut continuer parce que les questions continuent d'arriver assez largement. Il y a une question, je pense, qui est assez originale de Vincent Pircher. C'est, est-ce que vous regardez, par contre, un petit peu l'effet des incertitudes et des précisions à essayer d'apporter? Quels sont les domaines pour le moment sur lesquels il y a des grandes incertitudes, pour lesquels il y aurait des besoins pour essayer de les réduire? Et il y a aussi une question, c'est est-ce que vous avez essayé un petit peu de quantifier l'équilibre entre ce qui résulte de démarches individuelles versus ce qui résulte beaucoup plus de l'activité des entreprises et des politiques publiques? Alors, c'est sûr que, par exemple, dans le cas de l'isolation des bâtiments, c'est difficile de le classer d'un côté ou de l'autre, mais voilà les deux questions sur la table. Alors, sur les incertitudes, c'est une question qui revient à différents endroits de nos travaux. Il y a d'abord des questions sur les incertitudes d'inventaire d'émissions, par exemple, avec lesquelles, bon, c'est le travail du CITEPA, mais on échange avec eux sur ces questions-là. Il y a des secteurs, enfin, particulièrement hein, les questions d'usage des sols, où il y a plus d'incertitudes et où il y a encore des progrès méthodologiques. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui mettons ça en avant, on va dire. Ensuite, sur des questions de, par exemple, de mesure de l'empreinte carbone, il y a aussi des difficultés dues aux sources de données, à leur harmonisation, etc. Et où on a pu, dans le rapport, comparer les différentes sources de données existantes et montrer effectivement qu'il y avait des endroits avec des différences fortes et recommander plutôt une source que l'autre. Et puis, là où il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a un manque en fait de suivi et d'évaluation, c'est sur le suivi des mesures de politique publique et de démêler leurs effets et leur efficacité. Donc ça, c'est tout un travail de suivi, de mise en place en fait des indicateurs pour pouvoir faire les suivis et faire les analyses. Donc oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille et parfois on est aussi bloqué dans ce qu'on peut dire ou dans ce qu'on peut faire comme recommandation parce que on va manquer de connaissances sur certains sujets et à ce moment-là on va aussi le dire sur certains sujets, par exemple sur le rapport sur la 5G, il y a très peu d'évaluations existantes des effets en termes d'émissions induites
ou d'émissions évitées par des technologies de type 5G. Donc voilà, c'est des sujets auxquels on est confronté aussi. Et en vous répondant, j'ai oublié la deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler. Alors, attends, comme je ne les ai pas toutes notées, je crois que c'était sur les démarches individuelles versus entreprises et politiques publiques. Est-ce que vous avez essayé un petit peu, en gros, de répartir entre les deux, d'avoir une indication là-dessus? Ce n'est pas comme ça qu'on prend le sujet, parce qu'en fait, il me semble que… Alors bon, il y a des études, plutôt de bureaux d'études, qui ont regardé ces questions-là, mais finalement, c'est très imbriqué. C'est-à-dire que les marges de manœuvre de décisions dites individuelles, elles sont… enchâssés dans des normes collectives, dans l'existence ou non d'infrastructures, de solutions collectives, etc. Donc, ça ne nous semblait pas forcément une direction dans laquelle on… Voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on a abordé les questions, finalement. D'accord. Alors après, une question que je retransmets, une question posée par Jean, qui te demande si tu pourrais quand même dire quelques mots sur l'avis rendu sur le projet de loi climat résilience. Il y a un commentaire de Christophe Cassou supplémentaire hein, là-dessus. Mais vas-y. De Christophe qui dit, pour compléter, est-ce possible de comparer les propositions dans cette loi aux propositions de, alors je suppose que c'est la Convention citoyenne, la CCC, en termes d'émissions? Et aussi après les amendements qui ont été adoptés la semaine dernière. Ouais. Alors, donc sur le projet de loi, on n'a pas été saisi, on s'est auto-saisi pour faire un avis qui a été contraint dans le temps sur ce qu'on a pu faire. Donc c'est un avis sur deux choses. C'est un avis sur l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi, puisque c'est une des choses, une des recommandations fortes qu'on avait fait au moment du premier rapport. Puis il y a eu un rapport spécial sur l'évaluation des lois, donc justement sur le processus d'évaluation des lois au regard du climat et les études d'impact. Donc, on a regardé l'étude d'impact plus en détail. Et puis, on a aussi regardé le projet de loi au regard de la stratégie nationale bas carbone. Donc, voilà ce que fait l'avis. L'avis n'a pas cherché à... quantifier une reprise ou non, une comparaison avec les mesures faites par la Convention citoyenne. Là-dessus, moi, j'aurais pas d'éléments. Sur l'étude d'impact, on a noté des avancées par rapport à ce qui existait, et notamment l'analyse proposée par rapport aux grandes orientations de la stratégie nationale bas carbone. Par contre, on a regretté un certain manque de transparence sur les méthodologies de quantification pour les mesures qui ont été quantifiées, en fait, qui ne sont pas l'ensemble des mesures. Hein, de tête, je crois qu'il y a une vingtaine de mesures dont les effets en termes de réduction d'émissions sont quantifiés dans l'étude d'impact par rapport aux 60 et quelques articles. Donc ce n'est même pas la moitié. Tout n'est pas complètement transparent. Et par ailleurs... Finalement, les,
les émissions, les réductions d'émissions quantifiées sont très faibles. Hein, sur les 20 mesures quantifiées, il me semble qu'il y en a 3 où c'est plus de... il faudrait que je réouvre exactement, mais je vais le dire en termes qualitatifs. Donc, c'est des réductions d'émissions qui sont relativement négligeables pour chacune des mesures, hein, et qui ne permettent pas en fait, d'étayer cette phrase qui disait que le projet de loi permettait d'assurer la moitié entre la moitié et deux tiers du chemin à parcourir. Et donc finalement, on peut conclure que ce qui est dans le projet de loi n'est aujourd'hui pas à la hauteur de la trajectoire qu'on s'est fixée. Je crois que c'est ça, finalement, qui ressort. Et que, un petit peu plus précisément, hein, que les mesures ont... très souvent une portée limitée parce que le périmètre est limité ou parce que aussi les dates d'application sont fortement repoussées dans le temps. Il y a une question justement qui demande est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques ? Et je rajouterais, moi, c'est pas quand vous voyez le nombre de rapports, combien il y en a qui vous ont été demandés et vous... ceux dans lesquels vous êtes saisis, est-ce qu'ils ont une diffusion importante auprès des politiques publiques, enfin des gouvernements ? Est-ce qu'on a l'impression... La question est difficile, j'espère bien que vous l'êtes un peu, parce que sinon, vous ne travaillerez pour rien, donc ce que je crois que ce n'est pas le cas. Voilà. Je pense que... c'est toujours difficile d'une part, une institution qui est jeune, hein, donc c'est un petit peu tôt pour complètement tirer des conclusions. Je pense aussi que ce serait utile que des gens extérieurs se posent la question et analysent finalement quel est l'impact réel. Nous, on ne peut pas faire cette analyse-là. De façon indépendante, hein. Donc ce serait utile. Maintenant, je vais vous donner mon sentiment peut-être plus personnel. J'ai l'impression que par rapport à il y a 2 ans, il y avait quand même des doutes réels sur la création de ce nouveau comité Théodule et sur est-ce que ça servait à quelque chose. Je pense que les travaux ont permis de prendre une place dans le paysage français sur les politiques publiques, sur le climat. Je pense que la transparence et la rigueur des rapports fait que ils sont peu controversé. Il y a un certain nombre d'acteurs qui s'en emparent. Hein. Les rapports les travaux sont cités donc à la fois là, par exemple, dans les discussions sur le projet de loi, mais aussi dans certains cas de jugement sur la question climat. On suit hein, les retombées médiatiques qui sont pas négligeables. Maintenant, quels sont les impacts réels en termes de politique publique? C'est très difficile de dire à ce stade-là. Et puis, on n'a pas de contrefactuel non plus. Donc, maintenant, toutes nos recommandations ne sont pas suivies. Ça, c'est. C'est quelque chose qui est évident, mais ce n'est pas l'objet non plus.
Ah, je vous entends pas. Dominique, oui, il y a pas. C'est toi qui parles, Dominique. Pardon, oui, j'avais oublié de remettre mon micro aussi. Oui, un point qui a donné lieu à pas mal de discussions dans le chat, c'est sur cette question de la prise en compte des émissions pour en gros, les critères de choix des marchés publics. Avec en particulier, est-ce que ça doit être les émissions territoriales, au contraire, essentiellement les émissions importées? Je pense que le point qui semble ressortir, c'est que c'est vraiment, il faut absolument que ça soit toutes les émissions, de façon à ce que ça puisse bénéficier en particulier des productions dans des pays, en particulier l'électricité très décarbonée. Est-ce que c'est des points, est-ce que ça fait partie du rôle que peut avoir le HCC que d'essayer de proposer ce type de mesures et de développement dans les différents plans? Alors, on a une réflexion et je pense que enfin, c'est des choses qui, selon les sujets, et puis, sont éventuellement amenées à évoluer. On a une réflexion sur le niveau auquel on se place quand on fait des recommandations et à quel point on fait des recommandations qui sont... plutôt sur la gouvernance et ou plutôt de haut niveau versus des propositions très précises. Pour l'instant, mais parce que c'était aussi le début, on a plutôt été sur des recommandations de relativement haut niveau. Mais quand on va dans des rapports plus spécifiques, sur des secteurs plus spécifiques, et puis en avançant dans le temps, je pense qu'on va aussi faire des... Enfin, on a fait un petit peu, et on va faire plus parfois des recommandations... plus précise. Après, notre rôle n'est pas de faire les politiques publiques. Hein. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et sur la question de quand on fait des recommandations de mesures, ce qui pourrait être par rapport au marché public, par exemple. Évidemment, on va se poser la question de qu'est-ce que ça fait sur les émissions territoriales et sur l'empreinte, parce que ce qui compte pour le climat, bien sûr, c'est en fait l'empreinte. Donc, il ne s'agirait pas de faire des recommandations qui seraient néfastes in fine. Inversement, Il y a inversement des mesures ou des politiques publiques. Par exemple, dans les discussions par rapport à la pandémie, là, il y a des propositions de finalement relocalisation de certaines activités sur le territoire français. Si on regarde pour juste les émissions territoriales, ce qui est dans la stratégie nationale bas carbone et ce qui est dans les engagements internationaux de la France, ce type de mesure aurait tendance à augmenter les émissions territoriales, mais pas forcément les émissions en empreinte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les deux et pas seulement se focaliser sur les émissions territoriales. D'accord. Alors, ce que je voudrais suggérer, puis j'ai un autre commentaire à faire après, mais c'est que s'il y a des gens qui trouvent que la question qu'ils avaient posée n'a pas été complètement prise en compte, qu'ils n'hésitent pas à lever la main pour pouvoir intervenir. Et en attendant, ce que je voudrais quand même te signaler, c'est qu'en suite à la discussion précédente, effectivement, donc en gros sur l'impact du HCC, il y a toute une série de commentaires de gens qui considèrent que le travail du HCC est extrêmement utile et qui suggèrent de bien continuer. Voilà. Il y a pas mal de supporters. On n'a pas l'intention HCC. D'arrêter. Il y a une forte expression de supporters pour le HCC qui se sont exprimés. C'est pas dans notre intention d'arrêter. Après. Oui. Voilà. Non, mais que... Que vous ne vous sentiez pas au HCC trop contraint ou donné de sentiment d'inutilité. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est extrêmement utile. Et je vous rappelle le commentaire qui avait été donné au début, qui était effectivement sur la qualité des versions grand public du rapport,
et son utilisabilité par tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir, poser une question directement ? Il y avait une question d'Eric. Non, Eric Guillard. Qui est-ce qui demande ? Eric demande, Céline, comment prenez-vous en compte toutes les autres dimensions de GES, justice sociale, économie, inégalité, développement, bref, tous les autres ODD ? Oui, comment on prend en compte les... Alors, tu peux commencer, voilà. Alors, ce sera peut-être la dernière question, hein, parce qu'après, on ne va pas te... Oui, le cadre des ODD, c'est un cadre que j'utilise beaucoup, moi, dans mon travail de chercheur, et qu'on utilise beaucoup dans le rapport du GIEC, qui est en préparation, hein, avec les objectifs à l'horizon 2030, mais aussi plus généralement une réflexion et des travaux sur qu'est-ce que c'est des objectifs de développement et quels sont où sont les endroits de tension et où sont au contraire les synergies entre objectifs et entre objectifs climatiques et les autres objectifs. Dans le cadre des travaux du Haut Conseil pour le climat, on n'a pas repris tel quel le cadre des ODD. Maintenant, on a une dimension transversale qu'on regarde sur la justice, la transition juste, avec différentes dimensions, des dimensions d'inclusivité, des dimensions économiques, des dimensions sociales et des dimensions démocratiques et de participation, qu'on regarde le long des enjeux climat, donc jusqu'ici d'atténuation et à partir de cette année d'adaptation aussi. Quand je montrais par exemple sur le rapport annuel où on a regardé des grandes dimensions qui nous semblaient importantes dans le cadre de la crise et des plans de relance, il y a finalement des dimensions sur l'emploi, sur la réduction des vulnérabilités, sur les inégalités, qui sont des dimensions qui sont aussi dans le cadre des ODD. Donc je pense qu'il y a des choses qui se recoupent, qu'on l'utilise peut-être un petit peu moins systématiquement que ce qu'on fait dans le cadre du GIEC. Merci. Merci. Dominique, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que... Sauf s'il y en a d'autres. Oui, non, je pense que là, ça commence à se tarir un petit peu. Oui. Oui, voilà. Merci beaucoup. On va te remercier chaleureusement, Céline. Et puis, quand même, le message de toutes les personnes qui t'ont écouté, c'est continuer, voilà, avec votre liberté. Et on compte beaucoup sur vous, bien sûr, et sur la qualité des rapports du Haut Conseil, que j'apprécie beaucoup pour ce qui me concerne et pour tous ceux qui, c'est ce que j'ai compris, tous ceux qui ont suivi ta conférence, dont nous te remercions, Céline, au plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci pour ça. On continue et on essaye d'être à la hauteur de l'enjeu. Voilà.